Yo. Et c'est parti. Bien le bonsoir. Bonjour tout le monde. Ici Ryan. C'est quoi les deux défis? Parce que je suis pas mort une seule fois. Hein. Bon oui, j'ai fait le tout en off parce que franchement, j'allais pas commencer un épisode avec. Avec déjà un du déjà vu et deux avec un épisode épileptique. Donc désolé. Au moins vous avez vu, vous êtes témoin, j'ai fait le truc en mode normal. Zut! Non, sérieusement, c'est quoi les deux autres les bonus? Yeah, j'ai débloqué le truc là-haut, mais j'ai pas. Ne rate aucune occasion de frapper. En boss rush! Avec le badge tout ou rien, bon ça. Ça, je m'en serais douté, mais attends, en boss rush! Vous êtes des sadiques, les mecs! Bon, et eh ben, je vais quand même faire le début de la vidéo. Bien le bonjour tout le monde, ici Ryan dans le Hat in Time avec les fameux défis mortels. Si je meurs encore une fois, je vais mourir. C'est vous dire à quel point j'en suis presque vanné de cette histoire. J'en dis n'importe quoi. Bon, après ce boss rush, je vais faire la faille de la communauté. J'aimerais bien faire en fait finir la forêt en fait. Bon, après j'ai toujours les pièces de klepto. C'est ce que je vais faire derrière. Après je vais me mettre dans le mode libre là pour aller les chercher. Enfin, si je ne me foire pas sur ce défi là, t'as pas intérêt, je veux toutes les pages. Toutes. C'est de là qu'on vient. Alors oui, on est censé être dans la forêt et pourtant l'atmosphère est celui de la montagne. Bonjour. Ah, c'est ce que je me disais, j'allais rater une page. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. 8 pages. Ça m'arrive souvent de rater une page dans ce niveau par contre. Ce qui est gênant. Sonne la cloche pour avoir la sortie. Effectivement. Allez. Bon, il y a une page juste au-dessus. Généralement par là. Alors ces cubes là ils sont un peu spéciaux. Voilà. Bon, eux ils ont rien de spécial hein. C'est juste des caisses, on peut taper dessus un peu. Eux aussi ils sont un peu spéciaux. Tu peux les taper avec la fiole. Ah, j'ai oublié.
Voilà, une page. La partie basse du cube. Voilà. Et je pense avoir dû oublier. Je peux faire un petit tour pour vérifier, mais... Et un petit... Juste pour vérifier. Il y a rien en bas, cherchez pas. Cool. Pas sûr. Pas forcément à trouver des jetons dans un niveau comme ça. L'argent.
au dernier. Bonjour. Je sais qu'il y en a un là. Par là. Ouais, le v'là. Voilà. Non, on va pas faire de mal aux autres. Ah, si c'est nécessaire. Voilà. J'ai pas fait ça lors du passage précédent, mais... vérifier s'ils sont pas dans les caisses. Allez hop, ça devrait être bon, je pense. Le doute commence à m'envahir. Est-ce que j'aurais pas oublié un truc? Aïe. Ah non, c'est bon. Et le tout dernier, il est dans la dernière salle. Peut-être qu'automatique ne s'était pas lancé, j'ai quand même... Je me suis mis à paniquer. Waouh, que c'est difficile. Là, faut pas faire le fou. Pas de la vie. Je devrais avoir rien oublié. On raconte qu'il y a fort longtemps, un grand héros a fait un long périple pour trouver la cloche du couchant voyageur. Il voyagea loin de chez lui et affronta de nombreux dangers, mais il persévéra. Cette statue lui est dédiée en sa mémoire. Il y a une citation derrière, probablement du bouc en personne. Il est écrit, n'oublie jamais, la détermination peut te permettre de réaliser bien plus que tu pourrais penser. Sois fier de ton labeur, aussi petit soit-il. Tu espères pouvoir rencontrer ce bouc un jour. Il a l'air vraiment sympathique, même s'il ne parle pas. Bon bah tu peux toujours discuter avec lui à l'écrit, hein. Là, ici, la dernière page. J'allais chercher en haut. Yay! C'est l'heure de votre petite histoire. A forgotten children. Un enfant oublié. Enfin, l'enfant oublié, parce que c'est the forgotten. Enfin, bon, bref. C'était l'histoire de tout un tas de gens masqués. Tout simplement. Et tous encapuchonnés, bizarrement. Quand un jour, le manoir d'à côté fut entièrement gelé par un spectre. Vous savez tous lequel? Vous avez tous compris lequel? Et cette glaciation toucha même le village. Vous voyez quel village? On y est passé. Et certes, et évidemment, cela n'épargna pas les villageois. Et leur esprit quitta leur corps, mais gardant quand même leur masque. Ils rencontrèrent un esprit plutôt inquiétant, parce que vu le dessin, je fais pas confiance, moi. Et ils signèrent un contrat pour retrouver un corps au prix d'une éternelle servitude. Yay! Donc voilà comment Snatcher a eu ses larbins.
Et donc du coup, les esprits masqués que l'on voit dans la forêt, qui sont pas dans des corps, qui sont pas donc pas dans des larbins, sont ceux qui n'ont pas voulu signer, tout simplement. Yay! Joie et bonne humeur. Je sais plus c'est quoi l'histoire de la troisième faille de la communauté. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est Osef. C'est Osef. Il y a que le premier que je vous ai montré qui m'intéresse, je trouve. Après les autres, un peu moins. Enfin, après, ça peut être toujours sympa, hein, étant donné que tu connais l'histoire des larbins de Snatcher, tu peux commencer à imaginer des histoires, ça peut être bien. Vous imaginez de l'univers étendu sur Hat in Time, c'est très cool. On retourne au boulot, effectivement. Oh, 42. Pardon. Brûler le contrat. Ah. Tu m'excuses, je prends ça d'abord. Les nouveaux filtres pour la caméra. Nani. Nani. Alors, les filtres. J'ai débloqué Nani. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nani? D'accord. Ah d'accord, j'ai jamais utilisé ça, donc vintage. Oula. C'est très sombre. Ah, c'est sympa. J'ai jamais testé. Agla. Bon, excusez-moi pour cet aparté. On va brûler ce fameux contrat. Je suis encore plus élégant que d'habitude. Effectivement. Ne cherche pas d'endroit où retomber entre les ondes de choc. En fait, essaye de t'allonger face contre terre sur le sol. Ça rendra les choses beaucoup plus simples. Parce qu'on va mourir, effectivement. Cette fois-ci, il n'y a pas une question de contrat sur les côtés. Là, c'est vraiment lui au meilleur. Ce qui est un peu surprenant, pourquoi il fait ça que maintenant? C'est quoi? C'est parce que j'ai rapporté des sabliers? Oh mon dieu! Ceci explique cela, à moins qu'il ait volé ce qu'il y a dans ma réserve. Rends! Je garde le masque, parce que de toute façon, je savais qu'il finit par me prendre. Nani? Ah oui, je l'ai enlevé le badge. D'ailleurs, étant donné qu'on n'a pas l'effet des badges. Enfin, je pense pas qu'on ait l'effet de badge. On peut essayer, d'ailleurs je l'ai acheté tout ou rien. On peut essayer, le badge matelas, finit les plongeons contre les murs. Ça peut être sympa ça. Essayez, on va essayer. Ça va être les deux badges qui vont me permettre de voir. Allez hop. On passe. Oui, maintenant il y a des ondes de choc sur ces trucs-là. Aïe, 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 j'étais pas concentré. Il en sort tellement plus! Cette fois-ci, il ne troll pas avec seulement un. Fuyez-les. Je les ai jamais fait toucher, mais dans le doute, fuyez-les. Non.
j'avais fait le con. Voilà. J'avais fait le con dès le départ. Ça allait pas le faire. Et vous avez peut-être eu le temps de voir, mais il a invoqué des fioles en même temps de plonger. Alors vous savez ce que c'est que son attaque de plongeon. Mais avec les fioles. Mon PC ne tient pas, il arrête pas de laguer depuis tout à l'heure. Je crois que je vais vous le faire en mode paix et tranquillité. Hein ? Si Kame laisse le passage auquel on voit le mode paix et tranquillité, c'est très bien. Mon PC arrive pas à afficher le temps d'explosion, Pepto. Arrête, s'il te plaît. Je vais me rattraper. Ça va peut-être se faire, hein, j'aurais pas gagné des PV. Ah! Aïe! Ça lag! Je peux rien faire! Ça laguait! Bon, bah, paix et tranquillité. Ouah, je suis même pas sur l'écran. Oui, ben bienvenue dans la zone sans jugement. Ah bah ben, risque pas de me juger, hein, je suis mort. Presto. Aïe, aïe, aïe. Klepto, arrête, c'est fini. Je suis déjà mort.
Bon, si Kamel a laissé passer, vous l'aurez remarqué, mais quand vous utilisez le mode paix et tranquillité contre un boss, il continue à vous taper. Et le mode paix et tranquillité, c'est cette aura qui m'entoure. C'est uniquement ça. C'est la seule différence. Et du coup, à quoi que ça sert? Bah, ça a de la régène de PV en fait. Aïe. Là, toujours, on va quand même avoir des problèmes. Et ben, le PV qui se régène. Voilà. Bien. Méchant. Normalement il visait vers le bas. Oui, il s'est visé vers le bas. Aïe. What? Je suis mort. En mode paix et tranquillité, c'est quoi cette histoire? Comme quoi il aura pas menti, il est encore plus élégant que d'habitude. Ouais, j'ai pas mes... Je crois que je vais faire ça en off parce que franchement, les lags c'est insupportable. Mon PC supporte pas les attaques et l'enregistrement.
pas encore. What? Il y avait encore une onde de choc? Oh, j'en ai marre. Je vais vous laisser sur cet échec. Et je fais ça en off, avec les... sans les lags, j'y arriverai mieux. Donc bon, je vous dis au revoir sur cette magnifique danse de Klepto. Au revoir.